Le but, c'est habiter ces lieux, créer quelque chose, une émotion. C'est un festival qui fonctionne vraiment sur les gens, sur le contact des artistes avec les gens qui habitent ici, qui prêtent leur lieu. On est toujours aussi bien accueillis. C'est ça qui plaît, c'est que tout le village se retrouve ouvert pour l'espace d'un week-end, donc les gens naviguent. C'est assez rare, mais c'est vraiment top pour nous. J'avais été un peu surprise la semaine dernière lorsqu'on a découvert le lieu en me disant « Ah, une vieille grange !» Je trouve que ça fonctionne plutôt bien en fait. Il y a un côté avec l'odeur du foie que là on ne peut pas sentir mais qui est très fort. Et dans son jus, mais ça marche plutôt bien en fait. De voir tous ces promeneurs qui viennent voir des artistes, ils ne sont pas forcément habitués à aller à l'encontre des artistes. Là, c'est le cadre qui leur permet peut-être de se promener, le beau temps. Et puis, ils découvrent des œuvres. Et donc, oui, on échange. Il y en a qui aiment, qui n'aiment pas. L'important, c'est de ne pas rester insensible. L'amour m'inspire, je crois que c'est les moteurs du monde, donc faut que ça soit ainsi. Et mes sujets de prédilection, c'est toujours la végétation et le couple. Je fais tout sur une seule pièce, il n'y a pas de point de colle, donc il faut que je m'amuse, enfin j'adore réfléchir comment faire, mettre tout en pliant. C'est une initiative locale, ce sont des gens qui ont vraiment fait un super boulot, qui font revivre leur village. Vraiment très sympa, du monde, un temps magnifique, un joli village, une bonne ambiance.